on y est, c'est le grand jour, le jour de la finale. Et nous retrouvons donc le Brésil contre l'Argentine. Des deux formations. Et le coup d'envoi de cette finale est donné. Les deux équipes risquent d'être un peu prudentes à l'entame. C'est une finale quand même. Il écarte le jeu. Neymar. Di Maria. Faut que ça va partir vite. Paulo Dybala. Ça, c'est une interception parfaite. Renato Augusto qui cherche à construire. Il a tenté, bien joué. Oh, la grosse occasion! Neymar qui centre. Le ballon donné dans la profondeur. Ça peut aller au bout. Enzo Pérez qui récupère ce ballon. Quel timing dans l'interception. Oh, très bon ballon. Le ballon sort en touche. Philippe Coutinho. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Il joue dans l'espace. Il peut en profiter. Le bon dribble. Neymar. La passe était parfaite, c'est du gâchis. Ça démontre toute l'efficacité de ces ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'est une meilleure finition. Ça joue à gauche. Énorme occasion! Provoqué. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup.
Faute, oui, faute et coup franc à venir. Le gardien loin devant. Paolo Dybala qui a un peu d'espace. Otamendi. On est à la moitié de cette première période et toujours aucun but. Oh, Agüero ! C'est joué long, c'est dangereux. Renato Augusto. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Il est passé. Il va au duel. Il peut choisir de centrer. Obligé de reculer. Bien joué ça. Une occasion. Neymar. Le but pour le Brésil. Et ce but pourrait tout changer. Et si c'était tout simplement le but qui les menait à la gloire. Il aurait peut-être pu tirer de plus loin, mais il a dû se dire, tant qu'à faire, autant se rapprocher. C'est vrai, c'est plus facile de marquer de près. Ils ouvrent le score, c'est un but qui vaut cher. C'est toujours très important de marquer le premier but, surtout dans une finale. Neymar. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Neymar. Et il repique au centre. Oh, le duel. Les duels s'enchaînent. Paulinho en retrait. Oui, il peut frapper là. Ça s'est joué à rien. Je pense qu'il aurait vraiment dû servir l'un de ses partenaires. Il risque de lui en vouloir. Oh, c'était pas loin. Il fait partie de ces joueurs capables de créer le danger à chaque prise de balle. Il me ressemble beaucoup. Oh, Agüero. Bilia. Il file vers le but. Faut frapper là. Techniquement, c'est superbe, mais ça ne donnera rien. Il a essayé d'y aller tout seul et il n'était pas loin de marquer d'ailleurs. Il s'impose physiquement dans ce duel. Repiqué dans l'axe peut-être. Il choisit la profondeur. Et voilà qui conclut une première période très intense. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. C'est la pause, le temps peut-être d'un premier bilan. Votre analyse? C'est sûr qu'il vaut mieux mener au score qu'être mené, mais il faut qu'il revienne sur le terrain avec cette même mentalité et l'envie de tuer le match. 1-0, on espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période. Et le jeu a repris ici d'ailleurs. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il faut pas se rater. Pas de hors-jeu, il y va. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Alors, que va-t-il faire? Enzo Pérez. Bilia. Paolo Dybala. Oh, Messi! Il est tout seul. Le bon dribble. Il peut centrer. De la tête! Oh, la tête! Pas de réussite! Augusto. Bien tenté. Ah, et cette défense d'Arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, en même temps, ils ont pas tort. Dybala ! Ouf, ils s'en sortent bien là, d'un cheveu.
Et voilà, c'est ce genre d'action qu'on veut voir dans une finale. Ça aurait été un but magnifique. Renato Augusto. Neymar. Il va au duel. Il repique dans l'axe. C'est parfait, magnifique. Quelle passe. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Longue ouverture en direction du poteau de corner. La frappe. Oh, le gardien est là, la classe. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Bilia. C'est bien défendu, il faut dire. Ce contre peut très bien aller au bout. C'est bien fait. Et c'est une bonne situation sur l'aile gauche. Quelle inspiration. Neymar qui centre. La parade, magnifique. Oh, il faut... Oh, la frappe. Et hey, il y avait de l'idée. C'est au fond des filets. Jugé hors-jeu, ce but ne sera pas validé. Oui, c'est dommage, il y a hors-jeu, effectivement. L'arbitre ne reviendra pas sur sa décision. Bon, après ce petit moment de flottement, on va repartir avec un coup franc. Le long dégagement du gardien. Neymar, qui compte donc un but dans ce match. Il progresse encore. Qui est le premier sur ce ballon ? La belle interception. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. L'interception au bon moment. Casemiro qui se montre intraitable dans ce match. Ils se dirigent tout droit vers cette courte victoire. Ils sont à quelques instants de la consécration. Le ballon sort en touche. Une poignée de secondes seulement, la victoire leur tend les bras. Ils se recentrent. Oh, le tacle superbe. Enzo Pérez. Ça peut être dangereux. Aucun danger pour le gardien. Ce ballon bien dosé, c'est joué long, attention. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Ce match est terminé, ils remportent l'American Cup. Et ils s'en souviendront longtemps de cette journée, de ce match, de ce trophée, de cette gloire. Bravo messieurs, bravo pour cette coupe.